he started. Check 1, 2, check 1, 2, 3, 4. Can you hear that bell? No? Check 1, 2, check 1, 2, 3, 4. Check 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Okay. Okay. Yep. Just like
OK. Bonjour et merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Comme la docteure Nous et le comme la docteure Tam et le docteur Nous ne peuvent pas se joindre à nous ce midi, je tiens à vous lire les plus récents chiffres sur la COVID-19 au Canada. À la date du mardi le 9 juin, il y avait 96 653 cas confirmés, dont 7897 décès et 55 572 personnes rétablies, soit 58% des cas. À ce jour, des laboratoires partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de plus d'une million 955 719 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 33 000 personnes par jour, avec environ 2% des tests qui se sont avérés positifs. Ces chiffres changent rapidement et sont mis à jour régulièrement sur le site web canada.ca/coronavirus. So, since Dr. Tam and Dr. Nu can't be with us this afternoon, I'll start by reading out the latest numbers on COVID-19 in Canada. As of the end of the day, on Tuesday, June 9th, there were 96,653 confirmed cases, including 7,894 deaths and 55,572, or 58% of people who have now recovered. Labs across Canada have tested 1,955,719 people for COVID-19 to date. Over the past week, Canada has been testing an average of 33,000 people daily, with 2% of these people testing positive. These numbers do change quickly and are updated regularly on our website, canada.ca/coronavirus. So today, we will hear from, first of all, by video link, the Minister of Small Business, Export Promotion and International Trade, Mary Ng, and the President du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Mary, over to you. Thank you so much, Deputy Prime Minister. Bonjour tout le monde. Merci, in the very Madame beginning of the COVID-19 pandemic, our government has been fighting pandémie, for entrepreneurs, for workers, and small business owners across the country. Dans la semaine à venir, les petites entreprises seront essentielles aux efforts de reprise économique et permettront à des millions de Canadiens de retourner au travail alors que nous prenons des mesures ciblées pour redémarrer notre économie. As we enter this new phase of the crisis, we're seeing restrictions starting to be lifted, businesses and shops opening back up, and many things starting to go back to work. But the threat of COVID-19 is still very real, and we don't want to lose the progress that we have made over the past weeks. As we begin to restart our economy, we want to ensure that business owners have the tools that they need to ensure the safety of their employees and customers in their stores, in their shops and offices. Today, I'm delighted to announce our government's partnership with the Post Promise Program,
Nous a private sector initiative led by various organizations, including the Business Council of Canada. It calls on businesses to commit to following five key public health actions to help prevent the spread of COVID-19. Maintaining physical distance, washing hands, cleaning regularly, staying home if unwell, and practicing respiratory etiquette, including wearing a mask when physical distancing is difficult. Whether you're a restaurant, a tech startup, or store on Main Street, by displaying this Post Promise logo, here it is, en français, by displaying this Post Promise logo, you'll be able to reassure customers that you're doing your part to help protect Canadians' health and safety. You can visit postpromise.com for more details. You can visit postpromise.com, where you will also be able to find public health agency, public health agency. Nice and short as possible. Now we'll go on to statements by members. The first statement will go to Mr. Lefebvre. Mr. Speaker, I just want to say... And private sector coming together to ensure that people are safe as we restart and rebuild. And as businesses begin to open their doors, we know that things are not back to normal. Things are still tough. That is where our supports come in. We encourage you as business owners to take advantage of the help that is there for you and your employees. Our Canada Emergency Wage Subsidy is supporting over 2.6 million Canadian jobs, and we've extended it until the end of August so that it can help you begin to reopen your doors. Please use it to retain and to rehire workers if you haven't done so already. We've stepped up to partner with the provinces and territories to lessen the financial pressures on your businesses with the Canada Emergency Commercial Rent Assistance. We strongly are urging landlords to continue applying because it makes financial sense and will help restart our economy. And as a business owner and entrepreneur, you can also get access to the interest-free $40,000 loan from either your bank or credit union, which to date has helped over 660,000 businesses so far and more every day. And finally, I will remind small business owners of the free hotline we launched recently so that you can speak to a financial advisor or accountant for customized financial guidance. You can call the Business Resilience Service 7 days a week at 1-866-989-1080. Nous savons que les semaines et mois à venir seront difficiles pour plusieurs, but we'll keep working hard to support small businesses and all Canadians as we get through this together. Merci beaucoup. OK, thank you very much, Mary. Et maintenant, je donne la parole au président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Jean-Yves, s'il vous plaît. Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. J'aimerais commencer par une précision importante. Une certaine confusion a circulé dans les médias dernièrement au sujet du rôle des Forces armées canadiennes dans les CHSLD au Québec. Soyons très clairs, il n'a jamais été considéré d'abandonner les aînés au Québec. Les Forces armées canadiennes vont continuer d'être présentes tant que leur travail sera nécessaire au Québec ou ailleurs au pays. On a different note, as Ministers Qualtrough and Rodriguez said this morning, we are in important conversations with opposition leaders around the importance of delivering the important support that was announced last week for people with disabilities, also making sure that our wage subsidies are delivered in as efficient and as inclusive manner as possible, but also in terms of the future of social policy. In Canada, we know that CERB is an evolving benefit whose parameters are being analyzed and will be changed in order to accompany both income and job support. And in that context, the increased flexibility that we are suggesting, the 4 to 2 week benefit period, as well as the requirement to seek work and to have work if reasonable conditions of working conditions are being met. Those conditions are important to the future of social policy. But the most important message is that we will always be there to help Canadians. We are mindful of the very severe difficulties that many Canadians are going through. We will always have their backs. Thank you very much, Jean-Yves. Et on est prêt maintenant à répondre à vos questions.
Thank you, Deputy Prime Minister. As usual, we'll start with three questions on the phone, one Merci, question, one follow-up. Au téléphone en premier, trois questions, une question, une question suivie. Opératrice. Thank you. Merci. Please press star 1 on your telephone keypad if you have a question. Veuillez appuyer sur l'étoile 1 si vous avez une question. Our first question, notre première question, is from Hélène Bizetti avec Le Devoir. Please go ahead, à vous la parole. Oui, bonjour, Monsieur Duclos. Je vais vous prendre, je vais prendre la balle au bon par rapport à ce que vous avez dit sur les forces armées. Vous dites elles seront là tant qu'il sera nécessaire. Donc, doit-on comprendre que la présence des forces armées va se poursuivre au-delà de la date de vendredi? Le message est clair. Les forces armées canadiennes vont toujours être présentes tant ou aussi longtemps que leur travail est important et utile au Québec. On sait très bien que les choses se sont améliorées considérablement au cours des dernières semaines. En partie, pas seulement pour ça, mais en partie en raison de la participation des forces armées canadiennes. Au cours des dernières semaines, d'ailleurs, les forces armées canadiennes ont bonifié, dans un certain sens, leur travail, puisque les membres des forces armées ont été appelés à agir en dehors des 25 premiers CHSLD identifiés par le gouvernement du Québec. C'est excellent. Ça fait la preuve d'une grande agilité, d'une très bonne souplesse et d'une capacité de collaboration avec le gouvernement du Québec qui est extraordinaire. Donc, un travail plus souple, un travail, par contre, qui va se continuer tant et aussi longtemps que le travail des forces armées canadiennes va continuer à être utile et nécessaire. Hélène, au suivi. Oui, en fait, peut-être d'autres collègues voudront vous poser plus de questions là-dessus, mais Madame Freeland, je voulais vous entendre sur les anges gardiens là, qui réclament l'asile. On entend entre les branches que vous auriez décidé, par exemple, d'accorder la résidence permanente à ces personnes. Alors, pouvez-vous nous donner plus de détails, s'il vous plaît? Merci. Merci pour la question, Hélène. Évidemment, je ne peux pas et je ne vais pas commenter sur les discussions confidentielles dans le cabinet et dans les comités des cabinets. La confidentialité de ces discussions est un élément très important de la fonctionnement de notre gouvernement. Et moi et nos collègues, nous devons pouvoir discuter en privé des enjeux importants. Concernant les demandeurs d'asile, je veux répéter et souligner la position de notre gouvernement. Et c'est que le Canada et notre gouvernement, nous sommes un pays qui accueille les immigrants, qui accueille les réfugiés et les demandeurs d'asile. Nous comprenons aussi le travail extraordinaire que les demandeurs d'asile font aujourd'hui dans les soins de longue durée. C'est absolument vrai de dire qu'il y a des gens, des demandeurs d'asile qui aujourd'hui savent des vies des Canadiens et Canadiennes, des Québécois et des Québécoises. Et je pense que tous les pays comprennent l'importance de ce qu'ils font. Le ministre Marco Mendicino est en train de travailler sur ce dossier. Merci. Merci, Madame la Vice-Première Ministre. Opérateur, prochaine question, s'il vous plaît. Deputy Prime Minister, next question from the operator, please. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question, est from Raymond Filia avec TVA. Please go ahead, offre la parole. Oui, bonjour. Question pour la vice-première ministre, Mme Freeland. Est-ce que vous pouvez confirmer que la frontière canado-américaine va demeurer fermée aux déplacements non essentiels au-delà du 21 juin? Je peux confirmer que, comme toujours, on a une étroite collaboration, une collaboration exceptionnelle avec nos voisins américains concernant la frontière. Nous avons des discussions chaque jour sur la frontière. Je veux souligner que notre approche collaboratrice est une approche qui fonctionne très, très bien pour les Canadiens et Canadiennes et aussi pour les Américains. Une chose très importante de souligner, c'est que les voyages essentiels continuent. Le commerce entre nos deux pays continue, c'est très important. Concernant l'avenir de nos mesures sur la frontière, je peux dire seulement que
On a évidemment des conversations, des bonnes, des fructueuses conversations avec nos voisins concernant l'avenir à la frontière et en bout de ligne, toutes les décisions concernant la frontière canadienne seront prises par les Canadiens dans l'intérêt national. En suivi, je vais revenir sur le dossier dont Hélène a parlé. Excusez-moi, les journalistes ici m'ont demandé de répéter en anglais. Si je peux le faire. OK. So, when it comes to the Canada-US border, I think it is worth starting by underlining that the arrangements that we currently have in place are working really well. On one hand, non-essential travel is restricted, and that is keeping Canadians safe, and it is also keeping our American neighbors safe. At the same time, and this is equally important, essential travel has continued and continues. And as we are reopening our economy carefully and cautiously, we are seeing that essential business travel is happening back and forth across the Canada-US border. So the arrangement we have today is working, and it is working very well. In terms of the future of that arrangement, of course, we have very, very regular daily conversations with our American neighbors about the border. I think they would agree with us that the current arrangements are working really well, particularly when it comes to essential travel continuing. And as for the future, let me just remind everyone that decisions about our border will always be taken by Canadians in the Canadian national interest. Du Canada des Canadiens. Oui, en suivi, j'aimerais retourner à M. Duclos pour faire suite à la question de ma collègue Hélène. Quand vous dites que les forces armées vont demeurer dans les CHSLD aussi longtemps que requis, est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à laisser les militaires œuvrer dans ces centres jusqu'à la mi-septembre, comme le souhaite M. Legault? Mais à nouveau, le message principal, c'est de corriger la confusion qui semble avoir été distribués, qui semblent avoir eu cours au cours des derniers jours un peu partout. La confusion doit être clarifiée. Il n'a jamais été question d'abandonner les aînés au Québec. Ce que le ministre Sajjan a dit très clairement il y a déjà quelque temps, c'est que l'intervention des forces armées canadiennes au début était prévue pour être de courte durée et d'être très intensive. On déployait à l'époque une grande proportion du personnel médical au sein des forces armées canadiennes. Les forces armées canadiennes, ça regroupe beaucoup de gens, mais il y a un nombre relativement modeste de ces gens-là qui ont une formation médicale. Donc, l'objectif, c'était d'aller rapidement, efficacement en appui au CHSLD au Québec. Et évidemment, avec le temps, avec les horaires de 16 jours semaine, 12 heures par jour, avec plusieurs membres des forces armées canadiennes qui devenaient eux-mêmes contaminés par la COVID-19, bien les conditions d'appui de ces membres des forces armées canadiennes devenaient difficiles. Ça devenait même difficile de continuer non seulement à protéger leur santé, mais la santé des gens avec lesquels ils travaillaient et la santé des gens qu'ils servaient. Alors, ça, c'est ce que le ministre Sajjan a dit il y a déjà quelques temps. Ce qui a aussi été dit et ce qui mérite d'être répété encore aujourd'hui, c'est que les forces armées canadiennes vont continuer d'être là aussi longtemps que leur présence va être nécessaire. Et évidemment, les conditions de travail de ces forces armées canadiennes vont continuer à devoir être aménagées et assouplies en fonction des conditions des CHSLD. Comme je le disais, ces conditions se sont beaucoup améliorées au cours des dernières semaines en raison de cette collaboration et de ce travail des forces armées canadiennes, mais il reste encore du travail à faire. Les forces armées canadiennes vont continuer à être là tant que leur présence va être nécessaire. Merci, M. le ministre. Opératrice, prochaine question, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question, je suis from Émilie Bergeron avec Agence QMI. Please go ahead. À vous la parole.
Oui, bonjour. Pour poursuivre dans la même lignée, sur les militaires, on voit déjà qu'on est rendu à environ 900 militaires dans 14 CHSLD. C'est des informations qu'on peut voir en ligne. Et auparavant, on parlait de 25 CHSLD, 2300 militaires. Donc, le fait que le nombre est diminué, qu'est-ce que ça indique pour la suite? Est-ce qu'il y a déjà un nombre de militaires qui pourrait rester? Qui est envisagé et quel est ce nombre? Bon, le nombre a diminué pour deux bonnes raisons. La première raison, c'est que dans beaucoup de ces CHSLD, on est passé des indicateurs rouges ou oranges à un indicateur vert. En d'autres mots, la situation est maintenant sous contrôle dans ces CHSLD. Les membres des Forces armées canadiennes n'ont plus besoin d'être là. La deuxième bonne raison, c'est que ces gens-là, qui étaient dans certains CHSLD avant, sont maintenant déplacés vers d'autres CHSLD, toujours, évidemment, en appui et en collaboration avec le gouvernement du Québec. Ce qui est une excellente nouvelle, parce que quand des CHSLD voient leurs conditions s'améliorer, ça libère des ressources des Forces armées canadiennes pour aller ailleurs et pour à nouveau amener ailleurs des conditions qui étaient peut-être de orange ou rouge au départ à des conditions vertes. Donc, ce qui permet de rassurer tout le monde, de s'assurer que les aînés ont les soins dont ils ont besoin et de pouvoir donc procéder avec plus de souplesse et un meilleur aménagement que la situation de départ où on était en situation d'urgence, il y avait 25 CHSLD identifiés et qu'il y avait très peu d'autres marges de manœuvre pour aider d'autres CHSLD. Émilie, en suivi? Follow-up question, Émilie. Oui, tout à fait. Donc, j'arrive pas à comprendre, vous dites, il y a la même question de ne pas rester, mais en même temps, vous ne dites pas combien de semaines supplémentaires. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes. On parle de pour avoir une certaine ordre de grandeur. Je comprends que les discussions se poursuivent, mais est-ce qu'on parle de deux semaines supplémentaires, trois semaines? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce point-ci? Ce qu'on peut dire, c'est que deux choses, à nouveau, c'est que les forces armées vont toujours être là pour aider les CHSLD et surtout les aînés dans ces CHSLD tant et aussi longtemps que leur travail va être nécessaire. Mais la deuxième chose, c'est que les choses évoluent rapidement. Les conditions dans les CHSLD au Québec se sont beaucoup améliorées au cours des dernières semaines. On est tous très contents de ça. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer au cours des prochaines semaines, toujours, évidemment, dans ce partenariat extraordinaire entre les forces armées, les gens sur place, les gens dans les CHSLD et le gouvernement du Québec. On va voir comment la situation va évoluer, mais tant que la situation va nécessiter une présence des forces armées canadiennes, les forces armées vont continuer d'être là pour les aînés. Merci, M. le ministre. On va prendre les questions dans la salle. On a turn to the room. Molly, Ashley. Hi, Ministers. Molly Thomas, CTV National News. I want to ask about the CRA says about 190,000 Canadians have given back, repaid that CERB payment. And I'm just wondering, now they're talking about that there's another 600 alleged abuses, but they need legislation to look into that. I'm wondering why that's the case. Well, thank you for the question. The numbers that you quote are numbers of two types. For the first type is mostly Canadians that have applied quickly for the CERB initially because they were afraid that they would not have the ability to make ends meet. And at that time, there was also understandable confusion between on the role between EI, Employment Insurance, and the new CERB. The new CERB was indeed very new. Most Canadians had difficulty understanding exactly how and when it would be delivered. So most of these people, the vast majority of these people, are people that applied twice and received, therefore, a double payment. And they reimbursed, in many cases, half of those double payments. Now, the other number that you quote is an approximate number.
of potential fraud. But potential fraud is a key word because we don't know whether these are real frauds. And that's why we can rely on the expertise and the dedication of very good people at CRA and at Service Canada to make sure that these are actual frauds. And in fact, the actual number may be more than 600 because the work is ongoing and we have full confidence that this work will continue to deliver the type of rigor and vigor that we have said would be required in delivering rigueur. And I'd just like to add one more figure that you didn't cite, but that I think is one of the most encouraging that we have recently seen. And that is that 1.2 million Canadians in May went off the CERB. And what that says to me, and we also saw in May some surprisingly positive job numbers, certainly not enough, but some actual jobs growth. And what the combination of those things says to me is something which is a core conviction of our government, that Canadians really want to work, but because of coronavirus, many people have been unable to work, either because they're taking care of people, protecting their neighbors by not going out when they're ill, or simply because we've lost a lot of jobs. And so our government's core approach has been and will continue to be to support Canadians through this economically difficult time, and to really operate from the conviction that we are a great country of great people who want jobs and who will go out and Canadiens work when the jobs are there. My second question for Deputy Prime Minister Freeland. The Alberta RCMP Deputy Commissioner yesterday came out and said that systemic racism doesn't exist in the police forces. This is a federal police force. Do we have the wrong leaders in power? Because we know that the numbers and the data that we have in this country tell us that systemic racism exists. And we also know that the Prime Minister has spoken about this extensively. The Prime Minister has spoken very clearly about racism, including anti-black racism, including racism against Indigenous peoples in Canada. And the Prime Minister is very clear that systemic racism exists in Canada. It exists in all of our institutions. And unconscious bias exists in our country. The Minister of Public Safety, Bill Blair, was here yesterday, and he also spoke very, very clearly and made clear that he, too, appreciates profoundly that systemic racism is here in Canada, and it's a challenge we all need to confront. Both the Prime Minister and Minister Blair have spoken with the Commissioner of the RCMP, Brenda Lutsky, and I know that she, like me, is proud of her own Alberta roots. Ashley Burke, CBC News. My question is for Minister Ng. When will the Canada Emergency Business Account be available for sole proprietors? You promised that 3 weeks ago. And my other question is, how many landlords have taken you up on the commercial rent program? Ontario already said the uptake wasn't great. So do you regret the design of the program? And do you plan to change it so the tenants actually get help directly? Thank you for that question. De la ministre. The CEBA modifications will be available to businesses within the week. It has taken some time to make sure that the financial institutions, credit unions, and banks are able to program their systems to make the loan available. So I'm very pleased that work moves, and we've encouraged everyone to move as fast as we can because we know how important this support is for businesses who need this necessary cash flow. And for the commercial rent, I'm very pleased that in working with the provinces, of course, this is an area of provincial responsibility, but I think everyone agrees that helping small businesses is all of our responsibility. So really pleased to be able to work with the provinces, and really good to also see that the provinces are using those complementary measures like a ban on commercial rent or commercial evictions, just as Ontario has done, and many of the Atlantic provinces have done that. Some of the Western provinces are looking at it. And it's this complementary nature that is going to help us make this program be successful.
And I continue to encourage landlords. We also know that some of the big landlords are filing in their rent relief so that they can help their small business tenants. So I think that we need to keep working with our provincial counterparts and with businesses and with the landlords to make sure that small businesses actually get the help that they need during this difficult time. And Minister Duclos, out of those nearly 200,000 payments that people have repayed, the CERB payments, because they were not actually entitled to it, doesn't that show that the system is working? And, you know, why does the government need to threaten fines or jail time? Well, there are two important answers to that important question. The first one is, as is always important to remind everyone, is that the vast majority of Canadians are honest people. The second thing is that the vast majority of errors that were made in the last few weeks were errors in good faith. The Canadians didn't have the ability to understand perfectly a new program, and they applied sometimes twice, and they received payments in mistake. And there versés et qui ont été demandés de bonne foi. Malheureusement, comme l'a dit le Premier ministre hier, il y a une minorité de personnes qui ont voulu profiter du système pour faire des fraudes. Et ce qui est essentiel ici, c'est de donner à l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, la capacité que le Service Canada a dans ce contexte. Il faut veiller à rectifier la situation. Il faut veiller à intégrer des mesures d'intégrité qui ressemblent à ce que Service Canada a dans le cadre de l'assurance emploi. Alors, ces mesures s'appliqueront à peu de personnes, mais on souhaite que les Canadiens gardent leur confiance dans l'intégrité des programmes que nous mettons en œuvre. Merci. Monsieur le ministre, nous retournons au téléphone. Nous retournons au téléphone encore pour deux questions. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question, is from Yasmine Madi avec Radio-Canada. Please go ahead. À vous la parole. Oui, Madame Freeland, je vous pose la question en français au sujet du sous-commissaire de la GRC, Curtis DeBlocky, qui a dit qu'il n'existait pas de racisme systémique au sein de la police. Donc, j'aimerais savoir si c'est comment est-ce que vous pensez d'abord de ces commentaires et si ça n'envoie pas un message contradictoire aux Canadiens d'avoir d'une part le gouvernement qui insiste pour parler de racisme systémique et d'autre part des représentants de la GRC qui tiennent un discours assez différent. Merci pour la question très importante. Je veux souligner encore une fois, comme le premier ministre a dit, comme le ministre Blair a dit, notre gouvernement comprend que le racisme systématique existe au Canada et nous comprenons que c'est un grand défi pour tout notre pays, pour notre gouvernement et évidemment pour les forces policières dans notre pays. Je peux aussi dire que le Premier ministre a parlé cette semaine avec le commissaire Brenda Lutsky et le ministre Blair a fait la même chose. En suivi. Oui, mais par rapport à ma question sur les propos qu'a tenus le sous-commissaire Curtis DeBlocky, est-ce que ce sont des propos que vous jugez approprié? Comment vous réagissez à ces propos spécifiquement qui ont été tenus par un officiel de la GRC? J'étais très claire et la position de notre gouvernement est très, très claire. C'est que le racisme systématique existe. C'est notre position en ce qui concerne le travail de la GRC et ça doit être la position de la GRC. Ce n'est pas acceptable pour
les gens qui représentent le gouvernement du Canada n'acceptaient pas que le racisme systématique existe. Le racisme systématique existe dans notre pays. Nous devons comprendre ça et nous devons, et pas seulement comprendre ça, nous devons prendre les actions concrètes et directes pour démanteler le racisme systématique. Et nous devons comprendre que c'est un travail très, très difficile et c'est un travail pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. So, just to be very clear, the position of our government. Réponse répétée en anglais. Je tiens à être claire. Quelle est la position de notre gouvernement concernant le racisme systémique au Canada? Nous avons été clairs. C'est sans ambiguïté. Le premier ministre l'a dit, nous le reconnaissons. Absolument, il existe du racisme systémique au Canada. Il existe du racisme contre les Noirs au Canada. Il existe aussi des préjugés qui sont parfois inconscients. Cela représente tout un défi pour notre gouvernement, mais pour tout un chacun aussi. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'il existe du racisme systémique. De plus, il faut agir concrètement afin de lutter contre ce racisme. Le but, au final, sera de mettre fin à ce racisme, mais c'est tout un enjeu. Le premier ministre a parlé au commissaire de la GRC cette semaine, idem pour le ministre Blair. Il a été très clair lors de son allocution hier. Il a dit clairement qu'il existe du racisme systémique au Canada. Toutes les institutions fédérales, incluant la police, doivent le comprendre. Il existe un problème de racisme systémique, il ne faut pas le nier. Et nous devons combattre ce racisme. Merci, tous ensemble. On va prendre une dernière question au téléphone, one last question on the phone, operator. Thank you, merci. Our last question, la dernière question, nous vient de Jim Bronsko with the Canadian Press. Please go ahead, à vous la parole. Yes, good morning. Just to follow up in English on immigration. Bonjour. En anglais, sur l'immigration. Est-ce que le gouvernement va établir un plan concret pour les demandeurs d'asile au Québec qui travaillent dans le milieu de la santé? Mais pourquoi ne pas aller plus loin, à savoir inclure tous les travaux essentiels et tous les autres milieux? Réponse. Merci de votre question. Tout d'abord, j'essaie à dire une chose. Notre gouvernement, et j'ose même dire notre pays, accueille les nouveaux arrivants, les réfugiés. Nous leur ouvrons les portes. Nous gardons en tête les travailleurs essentiels et nous savons que bien souvent, des migrants, des réfugiés se retrouvent dans des milieux de travail qui ne sont pas faciles. Ces personnes qui n'ont pas de statut officiel ont quand même mis l'épaule à la roue et ont pu sauver des vies, ont pu sauver des vies de nos aînés. Et comme beaucoup d'autres Canadiens, j'en suis certaine, je leur suis reconnaissante. Les circonstances sont vraiment hors de l'ordinaire et malgré tout, ils travaillent dans ce milieu. Notre ministre de l'Immigration, le ministre Marco Medicino, se penche sur ce dossier qui est fort complexe et nous... On the issue of racism, there are calls to take names like Dundas and Rhodes off Canadian streets and landmarks because of their racist acts. Your government has done this in other circumstances, such as the former Langevin block. What standards should we use to decide when a historical figure's name should be removed from something? You know, that is an excellent
an important and really complicated question. I think that this is a conversation we need to have as a country. It's a conversation that we need to have with racialized Canadians, with Indigenous people in Canada. And it's a conversation I think we also need to have with historians and really think very hard about what messages we want to be sending to Canadians today. And I do think that this is a really important, a really complex issue, and one that we need to work on and think about carefully together. Merci, Madame la Vice-Première Ministre. Ceci met fin à la conférence de presse pour aujourd'hui. Thank you, Deputy Prime Minister. That concludes the press conference.